Elles sont dictées tantôt en anglais, tantôt en français. Les consignes du coach, quelle que soit la langue employée, se veulent claires et comprises de chacun. C'est avant tout une question de vivre ensemble, à travers une activité qui plaît, et cela quel que soit le niveau. J'aime bien la façon dont on le joue. C'est amusant, le sport collectif. Je maîtrise mieux le basket et c'est... Il y a plus de style, je dirais. Il y a plus de... Voilà, c'est un sport spectacle. C'est un sport spectacle, voilà. J'aime le basket, ça fait longtemps que j'en fais. Ça fait 5 ans. Tu vises un niveau en particulier ? Jouer le plus haut niveau, déjà national, après voir plus haut. Et voilà. Dans quel club tu es inscrite ? Saint-Michel-sur-Orge, en France, dans le 91. Et je suis venue ici pour les vacances et j'ai fait ce camp-là. Du jeu, mais beaucoup d'apprentissage à travers le sens de l'écoute, l'observation et la mise en pratique. Des efforts répétés pour tendre à devenir la meilleure version de soi-même. La première étape étant de les former ici, de partir avec le bagage qu'ils doivent avoir concernant leur pays, qu'ils connaissent leur pays par cœur, qu'ils puissent aller l'emmener, qu'ils l'emmènent à l'international et qu'ils ramènent l'international au pays. L'Académie sportive Kawana veille à doter ses jeunes d'une tête bien pleine dans un corps bien fait. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de tir, sur vos passes, sur vos passes. Atteindre la performance, c'est connaître leur performance en tout cas, et ce avec l'aide bien sûr de personnes qui, des intervenants extérieurs, internationaux. Donc on a le coach Ron pour les États-Unis, on a le coach Josh pour le Suriname et on a nos coachs locaux aussi. On ne fait pas que le camp sportif. Nous avons aussi les camps linguistiques et c'est en même temps d'ailleurs où les enfants sont plus amenés à faire des activités ludopédagogiques. Non loin, les plus petits, ils ont ici entre 3 et 6 ans, mais un camp spécifique sera dédié aux 4-10 ans la semaine prochaine. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.